c'est pas le speaker officiel. Et là, on est en Argentine, hein. Il n'y a pas de doute. Ouais. Musique latine. Il a 39 ans, 23 victoires dont 13 par KO et 11 défaites, aucun match nul. Il a été champion d'Argentine des lourds légers également. Et l'arrivée de Riyad Mehri maintenant. Tout de suite une autre ambiance. Voici l'Argentin donc, 23 victoires, 11 défaites, 39 ans, El Ruso, c'est son surnom, il nous vient de Santa Fe, il fait 1m95. 26 ans, 28 combats, 27 victoires, 6 fois champion WBC intercontinental, une fois challenger au championnat du monde WBA, il a été pesé à 91,5 kg dans le coin. Mehri, 26 ans, 28 combats, 27 victoires, dont 22 par KO et une seule défaite. Cette fameuse défaite à Marseille face à Arsène Goulamirian. Un match important, un combat que l'on présente important face à l'Argentin. Parce qu'on nous dit qu'il serait en quelque sorte éliminatoire pour un combat en octobre d'un titre WBA Gold face au Hongrois Imre Szelo. On va en reparler un petit peu après, Hermano, quand le combat aura commencé ici, sur ce titre WBA Gold. Mais là, maintenant, c'est le début de ce combat. On va voir, évidemment, Riyad Mehri affronte un adversaire qui a beaucoup combattu. Un adversaire avec beaucoup d'expérience, plus grand que lui, qui est mobile,
Et donc là, on va demander à Riyad Mehri de devoir casser la distance, avancer, prendre un peu de risque pour se rapprocher. Alors les premiers moments où Riyad regarde, observe, et on connaît évidemment tous sa rapidité, son explosivité. Voilà, bien, beau jab au corps. Encore une fois. Encore. Crochet gauche à la tête. Doublé, le direct du gauche. On voit qu'il travaille un peu plus dans le plexus parce que c'est à sa hauteur, puisque l'Argentin est très grand. Attention, parce que il tente quand même, donc il est grand, mais il avance avec un long direct du gauche. Riyad Mehri avance toujours, hein. Il est plus entreprenant, il aime bien avancer. Mais toujours avec un regard attentif. Oui. Là, ça peut téléphoner. Ouais. Voilà, on se désaxe à gauche, à droite, en bas, à gauche. On le voit, il va de tous les côtés pour essayer de créer cette ouverture, pouvoir se rapprocher, avoir une bonne distance pour pouvoir pouvoir toucher quand il frappe. Attention, il percute du droit. Ouais, il n'est pas passé. Hein. Ouais. Le crochet gauche, il fallait pas le prendre. Et heureusement, l'Argentin ne l'a pas pris. L'Argentin est dans le coin, là. Riyad s'approche, il essaye peut-être de construire ce combat. Il aime bien construire son combat, le faire de manière scientifique, sans trop se précipiter. C'est vrai qu'à chaque fois, on l'a vu, hein. Il prend son temps et au fur et à mesure des rounds, il commence à frapper un peu plus fort, aller un peu plus vite, aller un peu plus. Même si je l'ai rencontré en début de semaine, et il m'a dit qu'il devait... qu'il serait aussi plus agressif à l'avenir quand il le fallait. C'est une leçon qu'il a retenue de sa défaite au mois de... il y a un an, au mois de mars. Se montrer plus agressif, plus méchant quand il le faut. C'est aussi votre avis, Hermano? Ben on le sent déjà, hein. D'habitude, il est quand même encore un peu... il prend encore un peu plus son temps. Ici, il a le désavantage d'être plus petit et de devoir casser la distance. Donc on le voit à se désaxer beaucoup, vraiment cette défense active, il cherche l'ouverture pour pouvoir attaquer. On n'a pas encore vu beaucoup d'attaques, on a vu un ou deux crochets mais qui n'ont pas atteint leur cible. Allez, deuxième reprise, c'est reparti. Avec un Riyad toujours en train d'avancer. L'Argentin a reculant, on sent qu'il est méfiant, il a essayé de décocher une droite là, elle n'a pas atteint sa cible. Beaucoup de jab au corps. Encore une fois, ce qu'il faudrait, c'est une fois qu'il l'a touché, qu'il sait qu'il touche, il doit mettre sa droite au-dessus ou à la face. Voilà, oh, il m'a entendu, je crois. Oui, là il a touché, mais il y a eu une riposte aussi directement de l'Argentin. Vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il a essayé de voir l'ouverture qui se présentait à lui. Krenz. Alors Mehri avance.
Regard toujours concentré. Le jab de Krenz pour essayer quand même de le tenir à distance. Mais Mary va avancer évidemment. Attention, pas baisser trop les mains quand on avance. Il utilise bien son allonge, le Sud-Américain. Oh, beau tentative du percute droit. Ici. Ouais, je pense que ça a été bloqué. Ouais, beau crochet. Crochet gauche. Encore. Alors, David Krenz est dans le coin, mais il s'accroche évidemment pour se dégager. Et encore une fois, Riyad Mehri avance. Mehri avance. Il est attentif. Il essaie de garder aussi à distance avec quelques jabs. On le rappelle, hein, le jab c'est le. Le direct du bras avant. Voilà. Ici, vu que c'est le droitier, c'est le bras gauche. Ça peut... Il est touché. Il est touché là. Ouais, ouais. Il a été touché et il continue. Le crochet gauche au plexus son foie. Ouh là 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 là. Ah, quel coup. Il est compté là, César David Krenz. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Il a été touché d'abord à la première fois au menton et puis deuxième fois au foie. On le voit, il est rouge. Ah oui, ça c'est un coup. Rappelez-le, Erwano. Quand on prend au coup au foie. Ça coupe la respiration, c'est horrible. Ça coupe la respiration, ça a fait flancher les jambes aussi. Hein. Tout à fait. Et c'est coup de chance pour l'Argentin, c'est que le gong a retenti, il va pouvoir récupérer ici. La minute, oui. Important pour lui de récupérer. On ralentit un peu, il y a eu quelques belles actions, quelques beaux passages dans ce round. Dans ce deuxième round, voici. Alors. Ouais, donc la droite. Et puis après, là, c'est remise alors, avec le percute de l'Argentin. Alors maintenant, on va voir la petite série qui a fait mouche. Ouh, la droite. Ça, c'est le visage. Ouais, ouais. Et maintenant. Ah oui. Ouais, oui, oui. Ouais. On l'a vu. C'était ouvert. C'était ouvert. Le crochet gauche au foie. D'abord, commencer à la fait mal. Commencer au-dessus pour, pour monter la garde. Et après, vraiment redescendre avec un crochet et là, gauche. C'est la rapidité de Mehri qui a fait la différence. Hein. Mais bien sûr, en plus, il travaille bien au-dessus pour faire monter les mains. Et l'ouverture en vue est accessible. Et il fait mouche, il touche. Ah, on voit, il est entreprenant. Hein. Il n'a pas envie de dire. Ouh. Voilà. Au sol. L'Argentin a touché, il saigne un petit peu aussi au niveau du front. On revoit, regardez Hermano. Ah oui, touché. Ah, arrêté. Arrêté par l'arbitre. Fin du combat. À la troisième reprise. Ah, il voulait encore continuer. Il voulait continuer. Mais bon. Il faut saluer chaque fois les décisions de l'arbitre quand elles sont faites dans l'intérêt de l'intégrité du boxeur. Tout à fait. Parce que le boxeur voudra toujours continuer en général. Hein. En général, oui. Hein, en général, ouais. il veut trop toujours d'orgueil, continuer. Il y a trop d'ego et on veut toujours continuer. Là, il a été un peu ouvert ici au haut du front. Et de toute façon, s'il avait continué, c'était juste... remettre à plus tard ce qui devait être l'inéluctable. J'aimerais bien revoir le moment, parce que l'ouverture, quand même, il l'avait pas avant de commencer. Donc non. Je crois qu'il a pris un vrai crochet ou alors. Mais j'ai pas fait attention. Il prend un crochet un peu sur le côté, mais il y a aussi le bras. Regardez ici. Non, c'est le crochet. C'est le crochet. Et alors. Tout de suite, Riyad Mehri a fait nom de la tête un peu déçu que ça s'arrête comme ça. Ah, ça, j'ai pas fait attention. J'ai l'impression qu'il est un peu déçu, peut-être que ça ne fasse que 3 rounds. Mais de toute façon, bon, c'était la deuxième fois déjà que l'Argentin se retrouvait au tapis. Et voilà. C'était important de gagner pour Riyad Mehri parce qu'en octobre, on l'a dit, il y a une ceinture WBA Gold. C'est une nouvelle ceinture qui a été créée.
pour permettre aussi de concourir après pour un championnat du monde. Vous avez un avis là-dessus, Hermano? Oui. Enfin, j'ai combien de temps pour expliquer? Quelques secondes. C'est compliqué. Donc il y a quatre fédérations majeures. Ouais, donc la WBA est une fédération majeure. C'était d'ailleurs la première historiquement. Dedans, dans chaque catégorie de poids, il y a maintenant un champion du monde qui peut devenir un super champion lorsqu'il a soit défendu 5 fois consécutives son titre dans la fédération WBA, soit quand il a unifié avec une des trois autres fédérations. Et ensuite maintenant, donc après il y a le champion régulier, donc le champion standard, et il y a le gold qui est... C'est vraiment pour être éligible après pour un championnat du monde, quoi. C'est ça, c'est vraiment... C'est déjà un championnat du monde, mais c'est pas encore le régulier. Voilà, mais ce sera au mois d'octobre, donc, ici au dôme de Charleroi, le 19 octobre. Riyad Mehri va disputer un combat pour une ceinture WBA Gold. Qui est du niveau d'un championnat du monde. Qui est du niveau d'un championnat du monde, bien sûr. Voilà, mesdames, il est dans le top 3 et c'est vraiment le niveau d'un championnat du monde. Le verdict, sans surprise, vous le connaissez. Le 19 octobre prochain, nous nous retrouverons ici même au Spirou Dôme et, devinez quoi, nous connaissons déjà le nom du prochain adversaire de Riyad Mehri qui disputera un championnat du monde. Et Imre Zalo est là sur le ring à l'instant. On ne nous montre pas, c'est dommage, mais il est là. Voilà, le voici. Donc ce sera le futur adversaire de Riyad Mehri. Voici le résultat de ce combat. Est déclaré vainqueur par chaos technique dans la troisième reprise. Dans le coin rouge, Riyad Mehri. La victoire de Riyad Mehri, victoire indiscutable, Hermano. Grande domination. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa boxe? Plus entreprenant dès le départ. Ça s'est vu, c'est vrai. C'est vrai que ça s'est vu. Il aime bien construire son combat, mais il était là, agressif comme il fallait. Et sincèrement, il a mis la pression tout de suite sur l'Argentin Krenz. On écoute Alain Vanacker. On a également son frère ce soir. Grâce à cette victoire, rien n'est officiellement challenger pour le titre mondial Gold. Ce combat va avoir lieu ici à Charleroi le 19 octobre. L'adversaire est connu, il s'appelle Imre Zalo, 23 combats, 23 victoires. Il est numéro 1 mondial WBO, numéro 5 WBA, il est numéro 8 WBC et 6 IBM. Donc il est classé dans les 4 fédérations majeures. Avec son manager Félix Rass, ils sont venus ce soir parce qu'ils ont accepté le challenge. Et donc, on va faire un petit soufflé ce soir. Et après, vous présenter les gens quand ça peut arriver. Voilà. Imre Zalo. C'est un bon niveau, hein. Il est dans le top 4, dans le top 10 des 4 fédérations majeures. La poignée de main, puis le face-to-face, c'est toujours un moment intense, hein, ça, Hermano. Ouais. En réalité, ça me touche beaucoup parce que ça fait 30 ans que Jean-Marc Renard a pensé à l'année pour le premier championnat du monde de l'UBA. Et là maintenant, on va avoir deux boxeurs, Riyad Mehri et Imre Zalo qui sont là. C'est un bon niveau, hein, Imre Zalo. Je te remercie également. Et ce championnat du monde de Jean-Marc Renard. Des 4 fédérations majeures. J'étais sur le ring. Donc c'est clairement un bon niveau. Ce sera un sacré test pour Riyad Mehri pour voir aussi son agressivité, sa boxe, ce qui a changé. Alors, la ville de Charleroi, déjà, c'est grâce à Karim, a garanti son partenariat. On a Jean-Gabriel de Colling également, c'est connu pour ses mains. Patrick de Corte, on a Camille Duce qui va arriver. Bon, allez, alors qu'il y a quelques remerciements sur le ring, Hermano. Ben, ce sera, comme vous dites,
un combat important, un combat d'un très très haut niveau, hein, le 19 octobre ici au Dôme. C'est un combat très important, c'est une opportunité à ne pas manquer, malgré qu'il soit très jeune et qu'il pourra encore en avoir d'autres. Je pense qu'il doit se préparer absolument avec la hargne et la faim nécessaire pour arriver à obtenir ce titre, qui est une opportunité rare en Belgique. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu déjà une opportunité, il y a un an, d'avoir un titre mondial. Il est tombé face à un adversaire qui avait peut-être un peu plus faim, qui se disait que c'était ma dernière occasion de l'avoir. Hein. Arsène Goulamirian était plus âgé. Il est allé à la guerre, Arsène Goulamirian. Plus âgé, abandonné beaucoup pour pouvoir arriver à ses fins. Donc clairement, il avait celui qui avait le plus envie de gagner sur le ring l'année dernière, c'était Goulamirian. Allez, on va rejoindre Anne Ruet. Vous êtes avec Alain Vanacker. Et oui, un manager heureux, bien évidemment. On va juste revenir sur ce qui vient de se passer il y a quelques instants. C'était assez fort, cet échange de regards, bien évidemment. On a justement déjà le regard tourné vers l'avenir grâce à ce combat. Tout à fait, c'est exceptionnel d'avoir pu faire ça et d'avoir aujourd'hui pu concrétiser les choses. Il faut savoir une chose, un grand boxeur, Carolo Alex Polizzi, avait relancé la boxe ici à Charleroi. Maintenant, Béa Diallo était venu en 2003 et aujourd'hui, on peut être fier de dire le 19 octobre, on va avoir un championnat du monde golf ici à Charleroi. Voilà. Et avoir justement l'adversaire présent, là, c'est quand même quelque chose de grand qu'on a vécu aujourd'hui. Ce qui a été difficile, c'est qu'on a dû tout signer à l'avance. On a dû miser sur le fait que Alex Riat allait gagner. Il a gagné, donc voilà. Mais moi, j'étais très stressé parce que sans certitude, on a dû s'avancer sur des choses. C'est preuve d'une confiance également. Oui, c'est preuve d'une grande confiance et d'une grande motivation, ça c'est certain. Juste un dernier mot concernant le combat, alors évidemment expéditif. Votre avis sur ce qui s'est passé il y a quelques instants? Le combat ici, c'était un très bon adversaire. Je savais que si Alex, si Riat allait accélérer, eh bien ça déboucherait sur une victoire avant la limite. C'est ce qui était voulu parce qu'on voulait. Maintenant, on va dire qu'un boxeur moyen contre David Krenk, ça aurait fait un vilain combat et ça aurait duré longtemps. Ici, je suis très content de la manière, de l'efficacité et surtout de la motivation qu'avait Riat dans le ring. Bien, dans quelques instants, justement, on va avoir l'interview de Riad pour ce championnat du monde qui aura lieu donc en octobre prochain. Le 19 octobre, on va commencer à bien retenir cette date-là. Que faut-il encore faire progresser du côté de Riad Mehri? Et là, il va juste devoir se concentrer pendant 5-6 mois et être prêt pour le jour J. Parce que l'adversaire, il a été médaille de bronze championnat du monde. Il a 23 combats, 23 victoires, 16 par KO. Il a 35 ans et c'est vraiment la chance de sa vie. Eh bien, ce sera la chance de Riad et on sera là, bien évidemment, pour vous suivre. Merci de nous faire vivre des émotions comme celle-là et des surprises aussi particulières. Dans quelques instants, donc, justement, l'interview du grand vainqueur Riad Mehri, messieurs. Merci Anne. Et puis, ben bon, on l'a entendu, Hermano, hein, Alain Vanacker, sur la même longueur d'onde que vous, hein, Kili, c'est la chance d'une vie, la chance d'une carrière, certainement. Ouais, clairement, il va falloir qu'il s'entraîne dur. Il lui reste un peu moins de 6 mois. Je pense qu'il a de grandes chances de gagner. Il a un vrai talent, il a un vrai potentiel. Il faut qu'il souffre à l'entraînement pour qu'il nous montre de quoi il est capable dans les moments difficiles. Ouais, c'est vrai, il faudra qu'il montre de quoi il est capable. C'est un super défi. Ce sera le 19 octobre ce soir. Riad Mehri a battu l'Argentin César David Krenz. Un peu plus tôt, vous avez vu aussi la victoire de Hervé Hubo face à Jack Mulowahi. Hervé Hubo, champion de Belgique. Donc belle soirée pour la team Vanacker aussi. On va maintenant reprendre la direction du ring puisque Anne, vous êtes en compagnie cette fois de Riad Mehri. Oui, il transpire à peine, évidemment, vainqueur après 3 rounds. Justement, quelle a été la clé de ce combat pour pouvoir le clôturer aussi rapidement? Quelle est la clé? Il n'y avait pas vraiment de clé. J'ai boxé quand même dans mes habitudes. J'ai pris mon temps et j'attendais de voir une ouverture à travers mon bras. Oui, justement, il était quand même pas mal plus grand. Est-ce que justement, ça a adapté justement votre jeu? Après, j'aime bien les grands bras parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace quand je rentre à l'intérieur. Il m'a un peu surpris quelques fois sur son gauche, mais au fur et à mesure, il commence à baisser de vitesse. Ça fait quand même 5 mois qu'on attendait de vous retrouver sur le ring. Au niveau du caractère, au niveau psychologique, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et qui ont été travaillées durant ces 5 mois? Je vous avoue qu'il y a, depuis le combat de décembre,
il n'y avait pas grand chose, j'ai vraiment entretenu le rythme d'entraînement pour pas être pour pas perdre le rythme tout simplement quoi. Donc j'ai fait pas mal de stages de 2 semaines qui m'ont permis un peu de voir autre chose et d'aérer mon esprit. Justement ici, il n'y avait pas forcément de ceinture à la clé, il y avait plus ce titre de challenger officiel pour le titre mondial. C'est quand même assez particulier ce qu'on a vécu, désormais ce face-à-face, les yeux dans les yeux, déjà tournés vers l'avenir, tournés vers le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ce moment-là avec votre prochain adversaire ? Écoutez, moi je savais déjà un peu avant tout le monde que la préparation d'un championnat du monde gold était en route, en préparation. Source de motivation ? C'est ça qui m'a motivé et déjà... Quand Alain m'a dit qu'il était déjà prêt à 70% à clôturer le contrat, ben je me suis entraîné en fonction de mon adversaire. Ouais, voilà. Mais là, vous avez senti déjà que le combat était... Vous dites là maintenant, il faut déjà préparer le mois d'octobre quand on a l'adversaire en face de soi. Non, je vous avoue que ça fait déjà 6 mois que je me suis entraîné sans relâche. Donc je vais quand même prendre 1 mois et puis je vais directement enchaîner la préparation pour vraiment garder cette ceinture à la maison. En parlant de maison, justement, ici au Dôme de Charleroi, on sent beaucoup d'amour du public, beaucoup de personnalités qui étaient présentes. Est-ce que ça grandit justement cet enthousiasme autour de vos performances ? Parce qu'on sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans la team Mairie qui ne fait que s'agrandir. Ouais, je pense que beaucoup de gens commencent à prendre l'engouement au niveau... Je pense pas que c'est forcément moi, je pense que c'est forcément le sport en général. Je pense... Mais vous, ça aide aussi. Je pense que ça, le fait que de passer sur RTL, ça apporte un peu plus de visibilité à notre sport, donc les gens commencent à être un peu plus curieux et à s'intéresser quoi. Vous savez quoi, ça va augmenter encore avec le temps et avec ce rendez-vous qui est fixé en octobre. Merci beaucoup et félicitations Riyad. Merci Yann, voilà pour cette soirée boxe. Merci Hermano d'avoir été avec nous. Voilà avec la victoire plaisir. De Riyad Mehri. Le mot de la fin en prévision du mois d'octobre selon vous, il y a quelques mois. Se concentrer parce que c'est une occasion unique. Voilà. Voilà, je lui souhaite beaucoup de souffrance pour les 4-5 prochains mois parce que ce sera nécessaire et il va pouvoir, grâce à ça, créer l'histoire de la boxe belge. Merci d'avoir été avec nous, Hermano. Merci à tous d'avoir été présents sur Club RTL et aussi sur RTL Play. Il y aura beaucoup de sport aussi la semaine prochaine hein, avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Mais avant cela, évidemment, Anne, un petit mot de conclusion aussi, vous qui êtes... sur le ring. Mais oui, je prends un peu de plaisir parce que c'est vrai que Riyad Mehri, ça a été assez court. Heureusement qu'il y a eu d'autres combats, bien évidemment. Et en tout cas, félicitations à vous, Emiliano et Hermano, pour avoir pris l'antenne dès 18h sur RTL Play. Parce que oui, on le sait, la boxe a de fameux supporters, des passionnés. Donc on était ravis de passer cette longue journée avec vous. On espère que vous avez eu un maximum d'émotion et d'énergie. En tout cas, elle est encore présente sur ce ring. Et donc, comme vous l'avez dit, les rendez-vous sport vont encore s'enchaîner sur Club RTL dès mardi et mercredi pour connaître évidemment les finalistes de la Ligue des Champions 2019, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera dès mardi. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yeah.